Il y a même le problème d'insécurité avec ce qu'on appelle les enfants confiés avec la loi. Même la rentrée scolaire, il y a eu un vote souffré entre le ministère et la PPI. Dans un pays comme ça, quand le cadre s'appelle la vie, je pense que la PPI aurait pu analyser la situation sociopolitique et ne pas venir mettre feu de l'état de l'étude presse déjà de la Côte d'Ivoire. N'avait pas déclaré spécialement un Mbeki qui a été jugé par un pays souverain qui est la Côte d'Ivoire. Qu'elle vient de faire ce que c'est annonce-là, ça n'a eu qu'un effet contraire sur les populations. D'autant que jusque-là, il n'y a aucun partisan du camp de Ouattara qui a été poursuivi par la CPI 6 ans après l'été. Effectivement, tous les deux rapports que nous avons, le rapport de la CDVR qui est sorti l'année passée et le rapport de la Commission nationale d'enquête qui a été instruite par Mme Bazou, les deux enquêtes et tous les rapports en général. Montre que les deux parties en conflit ont tenté d'injustice d'action et de crimes contre l'humanité. On ne peut qu'après 6 ans, c'est un seul qui a été jugé. Et encore que la Côte d'Ivoire, en tant que pays, a mis en place un système judiciaire assez quand même fiable pour les moyens qu'on a eus juste après la crise. Dieu donnait le hasard 40 ans et lui perdre 5 enfants, il affirme que la situation est devenue critique pour sa vie de tous les jours. Beaucoup va. Depuis l'arrêt de notre commerce avec le Seigneur de la Maman Kanda, le bailleur de Mamoura, aujourd'hui j'ai toujours un retard de 20 du loyer. Avant je perds tout à l'heure de Mamoura. J'avais une amende pour moi. Aujourd'hui je l'avais au métier caractère. Il est vrai que certainement ce type de gestion des indications ont été subies de l'utilité de chacun de ces mouvements. Le président de la Fédération demande aux professeurs de l'utiliser. 92.9 FM. Ravi de vous retrouver pour un premier Forum. Jacques Aristide avec vous. Gros plan cette semaine. La Somalie, un pays meurtri comme jamais auparavant. La capitale Mogadiscio samedi est le plus meurtrier de l'histoire du pays avec environ 300 morts. Le gouvernement attribue aux islamistes du groupe Al-Shabaab. En réaction, les Américains se disent prêts à renforcer le système militaire somalien. Mais pourquoi la Somalie est en ce jour la bataille terroriste, la tragédie française dans sa langue du président Mohamed Abdullahi Mohamed après 9 mois au pouvoir. La communauté internationale fait-elle un peu retrouver ce pays, surtout face au danger de notre décryptage à venir. Bienvenue et bienvenue pour votre longue à Washington Forum, la Somalie, 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 la Somalie,